J'ai participé à la construction du nouvel hôpital. Et donc, à cette occasion, nous avons installé, effectivement, grâce à Sablois et ARD, un système de gestion d'accès physique sur les portes. On a mis en œuvre des procédures internes depuis la gestion RH qui crée les badges et qui sont intégrés automatiquement dans le logiciel d'exploitation ARD. L'objectif, c'était de pouvoir gérer la quasi-totalité des portes dans l'hôpital. On avait deux solutions, soit de câbler de manière filaire toutes les portes ou utiliser un système radio sans fil. Depuis 2015 que nous avons investi le nouvel hôpital, nous bénéficions donc de badges qui nous permettent donc d'avoir des accès sur les différents sites où on exerce et où on véhicule, et particulièrement sur les zones où les choses sont stockées, mutualisées. Les différents locaux qui sont donc sécurisés sont les bureaux médicaux, où il y a effectivement à sécuriser le fait qu'il y a des dossiers, des données sur lesquelles les non-professionnels de santé, à savoir les visites ou les patients, n'auront pas accès. À Perio, le concept est relativement simple. Il s'agit en fait d'une poignée ou bien d'un cylindre électronique donc qui fonctionne à pile et qui s'intègre nativement dans des systèmes de contrôle d'accès centralisés pour pouvoir piloter à la fois des accès filaires et des accès sans fil utilisant la technologie Perio. On remplace une porte en filaire par une porte en sans fil, mais qui va avoir la même réactivité, la traçabilité, la gestion de l'historique en temps réel, l'ouverture de la porte à distance, des gestions de plage horaire libre sur les différents accès.